Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed et on va essayer de récupérer pas mal de trucs aujourd'hui. On va faire la forteresse, ensuite on va retourner vers le grand mont du Parnasse où il y a bien évidemment l'oracle de Delphes et après on ira bien évidemment continuer la quête principale. Mais avant ça, on va quand même faire la dernière chose qui nous reste à faire dans la zone, le fort à 204 mètres, c'est pas très loin. Faut qu'on fasse cette zone-là et après c'est bon. Je pense pas que je vais faire le défi pour faire gagner l'une des deux armées, en tout cas pas pour le moment, puisque j'ai pas. Je suis un mercenaire, j'ai pas encore vraiment choisi de camp. Allez, let's go. On y va. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'il y a. Oh, ah, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mercenaire. Qui est level 34, je sais pas quoi là. C'est marrant de voir un mercenaire qui est super au level par rapport à la zone où on est. Allez, on y va. C'est parti. Let's go. On va essayer de se faire le fort. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, Iker, ton équipement il est débile parce que t'as des trucs d'assassinat alors que t'es un guerrier. Ah bon? Plus de dégâts d'assassinat. Ouais. Ouais, mais bon, après c'est pas si grave que ça. Si. Dégâts de chasseur. Dégâts de chasseur. Dégâts de guerrier. Le problème c'est que moi je prends l'arme la plus avec le plus de DPS par seconde, logique quoi. Ouais, c'est logique. Et j'ai pas grand chose d'autre. Dégâts de chasseur. Dégâts d'assassin. Ah, c'est la merde. J'ai pas grand chose d'autre, moi. Ça te paraît, mon grand. T'es obligé de prendre dégâts d'assassin. Là, c'est dégâts de chasseur. Là, ça diminue trop le DPS. On passe de 354 à 299. On va rester là-dessus. Hein. On va rester là-dessus. Là, on a dégâts de guerrier, dégâts d'assassin, dégâts de guerrier, dégâts d'assassin. Ah, j'ai pas mal de dégâts d'assassin, mais je tue quand même pas. Hein. Ça me fait halluciner dans ce jeu à quel point on ne tue pas. Ah là là, c'est pas grave. On avait tué le polémarque et il nous reste à. Mieux vaut éviter de se faire voir. Oui, tu as raison. Il me faut mon petit aigle. Voilà, pour avoir une vision un petit peu plus claire des choses. Hop, c'est bon, on a tout, sauf un truc qui était là, voilà. Hop. Ok, donc les renforts, ils sont notés où les renforts? Là-haut, ok. On va essayer de s'occuper des trucs des renforts. Ça, à mon avis, cette personne-là... 5 dragons. Lui, à mon avis, j'aurais pu le one shot. Hein. Celui qui est en bas là. Ah non, je peux pas le one shot ça. Il est trop lourd, je crois. On va voir, mais. Ah si. Voilà. Dégueulasse. Comment je le tue? C'est dégueulasse. Là, lui, je vais sans doute pouvoir le tuer. Voilà. Ok. Tranquillou bilou. Ces deux-là, je peux pas les tuer facilement. Mais faut que je le ramasse vite. Tu n'es rien à comparer à un Spartiate. Ouais, bon, on va voir. Pourquoi si je suis à l'un carré ça marche pas? Allez, bon. Merde. Elle meurt. Ou alors j'étais quoi? Rien comparé à un Spartiate. Apparemment, j'étais cassé cul. Là, il y a un chef là. Ouais, c'est qui chope lui? Il y a lui qui me repère. Par contre, lui là-bas, ça serait bien que je me le tue, je me le fasse. Parce qu'il est un peu isolé. Il y a un coup de bouclier, c'est vrai que j'ai le truc pour le bouclier maintenant. Ouais, il est pas content.
C'est vrai que t'as eu plutôt un truc. C'est vrai que ton arme ressemble un petit peu plus déjà à une arme vraiment spartiate. Même si elle fait pas encore 3 mètres. Merde, j'ai oublié de compter. Attention. J'ai pris un coup là, dans le museau, ça fait mal. Allez, monsieur. On tombe. Oh merde. Oh là là, il fait mal. Ouais, bien. Oh là là. Hey monsieur, hop, salut. Bon, ça se passe bien pour le moment, c'est pas encore fait repérer, on en a tué un paquet. Hein. C'est plutôt une bonne gestion du truc. Là, on en a tellement à tuer, il va pas falloir se rater. Et je peux le tuer normalement. Oui. Parfait. Oh non. Oui, c'était un peu con. Il a pas d'arme. Il a pas d'arme, c'est trop drôle. Mais reviens. Vas-y, prends une arme. Je lui fais tomber son bouclier. Putain, c'est la première fois que j'utilise cette pouvoir. Yes. Ouais, je t'ai cassé le cul. Boum, dégage. C'est trop facile à tuer. Là. Ça dégage! Eh ouais, les potes, ça fait moi les malins! Je suis impressionné que tu es là! Impressionné que. Bon. Allez. Bon. Je suis un combattant hors pair! Boum, les deux d'un coup! Et voilà, il reste plus que toi! Ah non, il en reste encore un. Appelez pas les renforts, les gars. Je vous tue d'abord tranquillou bilou et après c'est moi qui m'occupe d'appeler les renforts. Merde, ils ont appelé les renforts. Allez, plus qu'un. Voilà. Ça s'est bien passé. Daniel, le tacticien. Quatrième personnel. À toi. Oh, je vais vous tuer, quel con. Bon, c'est bon, ça s'est bien passé. Non, il y a un... Mais non, mais monsieur, monsieur. Monsieur, tout va bien, au revoir. Au revoir, monsieur. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il s'est rien passé. On va péter ça quand même. Si jamais. On a pas envie de se taper des renforts de merde. Tout va bien. Tout va bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Voilà, ça va, tranquillou. T'inquiète pas, mon pote. Ah merde. Merde, j'ai été vu. Allez, crame, mon ami, crame. Bonjour. Pas de côté extraordinaire.
Hop là. Olé. Boum. Et ça dégage. Un de moins. On va bientôt avoir 50 mercenaires sur la gueule. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Putain, il y a encore pas mal de mecs à buter. Hein. Et lui, c'est qui là-bas? C'est un mercenaire, ça? Au niveau 16. On va essayer de se le faire. Bonjour, monsieur. Attendez, j'arrive. Attendez, monsieur. Bien joué, Pierre. Hop. Bonjour monsieur. Bonjour. Paf, je lui fais tomber son bouclier et il en a plus. Et il a maintenant je contre, j'attaque. Il ne peut rien faire, il ne comprend rien. Il se prend ensuite une super attaque. Ensuite il est tout rouge parce qu'il est pas content. Boum. On lui défonce le cul. On lui fout un coup d'un poignard. Poignard dans le cul. Hop. Il comprend rien. Attaque. Il double. Il va attaquer. On va contrer. Hop là. Au secours. Il est pas content. Allez, c'est fini. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tuer. Mais pourquoi tu veux me taper? Calme-toi. Jean Momo là, calme-toi. Oh là là, mais ça fait chier, mais tu sais pas te battre, pourquoi tu veux te battre contre toi? T'es dégueulasse, tu es un innocent. Oh, dégueulasse. Je suis un méchant. Bon, il nous reste des kills à faire quand même. On n'a pas encore fini le fort, il nous reste des choses. On a bien vidé le fort, maintenant il reste à faire les objectifs. Les objectifs de la zone, qui sont bien évidemment... Je crois qu'on a tué tout ce qu'il fallait tuer au niveau des soldats, là, quand même. Il reste encore des chefs à tuer. Non, il nous reste à piller les trésors et à brûler les ravitaillements. Donc en gros, si je me démerde bien, je suis plus obligé de combattre. Bon, ça serait si je me démerdais bien. Pillage du coffre de trésor public. Bah, c'est pas bien ça, hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est réalisé par un professionnel. Voilà. Ensuite. Ils sont où les autres trésors? Il y en a un là. Voilà. Calares, la preneuse d'âme. Ah, ils sont vraiment pas contents. Hein. Alors on me dit dans l'oreillette, ils sont pas contents. Il y a 50 mercenaires au cul là. Tu vas moins faire le malin la prochaine fois. Ok, tout va bien. Là on a une petite corde pour passer. Comment on fait pour faire ce truc, pour utiliser ce truc? Je sais pas. Ah, comme ça. Voilà, comme ça. Là, il y a un niveau 16. Est-ce qu'on peut pas lui faire le cul? Si, on peut lui faire le cul. Hop, on lui fait le cul. Hop, voilà, c'est fait. Hop là. Au revoir, monsieur. On vous aimait bien. Là, il faut rentrer dans la maison. Mais comment on rentre dans la maison? Putain. Shut. C'est par où? S'il vous plaît. Les toilettes, s'il vous plaît, c'est par où? Passe par là. Tommy. Hop. Il faut aller à l'étage. L'étage, comment on y va? Putain. Il y a 50 milliards de mercenaires dans les parages. Va falloir se calmer. Hein. Hop, un deuxième trésor. Tout va bien. Un petit peu de thune. C'est bien. Hop, voilà, voilà. Continue. Là, il y a un mercenaire qui a pas l'air rapide. On se casse. Est-ce que tu voudrais bien monter, monsieur? Montez, montez, voilà, merci. Merci. Monsieur, merci. Voilà, c'est tout à fait ça que je te demandais de faire. Logique. Là, on a un petit méchant qu'on peut tuer encore. On va se faire.
Salut. Soif. Montez bien. Mais pas trop non plus. Il y a un ravitaillement à faire qu'on n'a pas fait en plus. On était juste à côté. Pour rentrer dans ce bâtiment. Comment on y rentre? On ne sait pas trop. Là, par en bas. Sans doute. Voilà. C'est par là. Tout va bien. Hop, on récupère un petit peu de feu. On lui brûle le cul. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que je le récupère avant de le brûler, mais je suis un petit peu con. Attention. Salut Pierre. Bonjour Pierre. Hop là. Attention. Il me reste un ravitaillement à faire. Il y a un mercenaire là, mon pote. Il y a des mercenaires dans tous les parages. Est-ce que je peux rentrer? Oui, je peux rentrer normalement. Juste que je demande de la possibilité. Passer par là, voilà. C'est extraordinaire. Et là, je récupère le trésor qui va bien. Hop là. Et là, je suis à 3 sur 4. Il me reste donc à récupérer la thune. Hop là. Le dernier ravitaillement, il est là. Le dernier coffre, il est là. Ok. On est bien. Maintenant, il faut sortir. Passer par. Oh là là, non, pas passer par là. Il y a un mercenaire là, on n'est pas d'accord. Voilà. Hop. Monte sur le toit. On réfléchit. Le dernier coffre, il est là. Ok, il y a un méchant qui est pas là, qui est pas beau. Attention. Ça. Oh merde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. Merde, le trésor, il est où? Il est de l'autre côté. Merde, le trésor est de l'autre côté. Merde. Il y a un mercenaire qui m'a repéré. Mais ça va. Ça, on a tenu. On a tenu, les potes. Tout va bien. Par contre, on sait pas trop où est le trésor, là. Ah, là-dedans, dans le trou. Ah bah là, elle va pas me repérer de sitôt là. Elle est perdue. Hop. Et voilà, on récupère le quatrième trésor. On fait une petite glissade là. Et il nous reste plus que le dernier ravitaillement à faire. Et après on est bon. Et après on est bon. Putain, sans se faire repérer. Un vrai ninja. Ça t'efflamme. Ça suffit. Secours. Oh oui. Au revoir madame. Et voilà, le fort est terminé. On peut se casser. Yes. Putain, génie du game. On n'est pas mort 3 fois. 30 fois comme d'habitude. Et boum. Au revoir. Oh, c'était beau, c'était beau. C'était réalisé par un professionnel. La prochaine fois que vous voulez que je tue 30 personnes, venez me voir. Y a pas de soucis. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le cerf. Ah non, pas de coup de poing. On va appeler Pégase. Allez, c'est parti. Les mercenaires, ils se sont fait jambonner. Oui, on jambonne les mercenaires. Ils ont rien compris. Ils n'ont rien compris, les mercenaires. Et hop là, on passe. On se casse maintenant. Et boum. Alors, on va où maintenant? On va où? On va tranquillement ici, en fait, on se téléporte, on s'emmerde pas, hein. Déplacement rapide, on dit au revoir aux mercenaires, et boum dans le cul. Salut DJ Toxic 38080, salut à vous, je rappelle bien évidemment que nous sommes dans le midi en vrac, de midi à 14h tous les jours sur la Iker TV. C'est parti. On va aller faire quelques points d'interrogation. Ah, je suis content, on a terminé la zone. On a réussi à faire le fort sans que ça soit débile, donc c'est bien. Allez, on charge. Je sais pas, mon cher Pierre. Mais salut, meilleur man. Je ne sais pas si quand on récupère tous les trucs. Et là, très clairement, je vais faire les points d'interrogation et ensuite je vais me mettre bien, je vais aller
continuer la quête principale. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de quête principale, mais bon. On n'est pas si bien que ça en termes de level. On essaye d'avoir le petit level d'avance pour pouvoir se mettre bien. Bonjour. Alors, ce qui est prévu, bah, c'est bien évidemment de faire les points d'interrogation qu'on ne sait pas pourquoi ils ont repop. Parce que moi, j'étais persuadé de les avoir fait, ces trucs-là. Là, le point d'interrogation qui est là. Point d'interrogation qui est là. Point d'interrogation qui est là. Qui est là. J'étais persuadé de les avoir fait, moi. Peut-être qu'on les a déjà fait et peut-être qu'il y a eu un bug, je sais pas. Allez, on va appeler Phobos, bien évidemment, alias Pégase. Oh, on n'insulte pas mon cheval. Hein. Allez, on est parti. Let's go. C'est pas très loin. C'est pas la bonne femme, ça, avec laquelle on avait fait une quête il y a longtemps. Tombeau de la première pitié. Ah, de la première pitié. Intéressant. La pitié, c'est l'oracle ou pas? Et un tombeau ici. Ah, Icaros. Icaros indisponible. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Je sais même pas. Ah, là on peut passer, mais on peut pas passer parce que il y a le truc qui est devant qu'il faut qu'on bouge. Ok. Et ici. Ici, il y a peut-être des trucs à casser. Voilà, je suis assez tranquillou. Hop. Ah! Tiens, serpent. Voilà. Ok. Prenons une torche. Pour y voir un petit peu plus clair. Ouais, on continue. Tout va bien là? Bon, y'a rien à faire là. Rien à faire. Tout va bien. On regarde sur les hauteurs. Rien. Ok, on continue. Continue par là. Là, il n'y a rien à part un mec mort. Ok, d'accord. Ah, saloperie de serpent de mes couilles, là. Laissez tranquille, oui. On aurait le trésor, moi. On récupère un trésor level 15, c'est pas mal. En fait, ils sont faits pour se pousser, quoi. On voit que dalle, vraiment, par contre, quand on n'a pas la torche. On va allumer la torche. Hop. Ici, il y a un petit truc à récupérer. Un œuf de poule. Qu'est-ce que ça fout dans un corps? Bon, bah, je sais pas. Le mec, il pense ses œufs. Il fait ce qu'il veut. Ah, les serpents sont dégueulasses. Vraiment, on les aime pas. Hein. Ok. Par ici, par là, par là, y'a rien. Y'a une porte, mais c'est pas une porte. Encore un serpent. Voilà, on lui crame la gueule. Il comprend que dalle, le pauvre. Il était tranquillement en train de dormir. Voilà. On récupère des peaux souples. On va finalement arriver à l'endroit où il faut pousser. Ah, faut pousser pour sortir. Oh, dire qu'on a tout fait là. Il y avait peut-être qu'un trésor. Allez, pousse, pousse, poussez madame, poussez. Ah non, tirez madame, tirez. Ah merde. Hop. Tout va bien. Hop. C'était tout ce qu'il y avait à faire dans ce tombeau. Oh. On va pas voler des trucs. Oh si, c'est un tombeau, hein, on s'en fout. C'est bon, tout est fait, tout est pris. C'est bon, tout va bien. On va tout récupérer. Let's go. Oh, le beau serpent. Et lui, regardez, c'est un faux. C'est un faux serpent. Comment on le reconnaît? Il est plus gros. Alors regardez les serpents. Ouais, c'est beau. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a fait la zone en complet? Est-ce qu'il fallait juste trouver un trésor? Ou est-ce qu'on n'a pas tout fait? Trouver la stèle ancienne. Eh ben non, on est jambonné, il faut recommencer. On n'a pas trouvé la stèle ancienne, merde. On n'a pas trouvé la stèle ancienne. Aïe, aïe, aïe. Un petit coup de zoom comme ça. Bon, après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas trop mal. Ah bah ben, elle est là. Non, elle est pas là.
La stèle ancienne, s'il vous plaît. Je voudrais une stèle ancienne. Ok, pas de stèle ancienne ici. Oui. Continuons. Ah, reprenons. Reprenons depuis le début. Alors, allez, pas de stèle là. Non. Et là, ces portes, là, on peut pas les ouvrir. Voyons. Non, on peut pas. Est-ce qu'il y a un passage quelque part? Attention, Iker, ouvre les yeux. Oui. Okay. Là. Suivez-moi, je connais un passage. C'est par là? Ça doit être par là. Ça doit être par là. Je me rappelle pas de ça à l'aller. Oui, c'est ça. Oh, encore un... Non, il y a encore un serpent. Non, mais oh, il y a un serpent. Il doit être quelque part. Hop. Je récupère le corps du mercenaire, level 15. Pas dégueu. Et c'est pas du tout la stèle, hein. Pas du tout ça. Donc il doit manquer encore des trucs qu'on n'a pas fait. Des boucliers. Bon non, peut-être pas des boucliers, des plats. Ok, y a pas l'air d'avoir d'ouverture. C'est donc pas par là. Là, il y a un trou. Oh là là. Ouais, ça fait peur, hein. Mais y a rien surtout. C'est pas assez large pour que je passe. Enfin, c'est assez large pour que je passe, mais pas pour pas par les créatures du jeu, j'ai l'impression. Hop là, ok, donc rien. Donc c'est pas là. Donc, toujours pas la stèle. Malheureusement. On a un trésor, on s'en fout, on l'a déjà pris. On va par là. Cherche, hein, bien évidemment. Là c'est d'où je viens à la base. Là c'était d'où je viens au tout début. Voilà, donc on n'a pas trouvé la stèle. C'est la merde. On sait pas du tout où elle est, leur stèle de merde. Mais vous savez, je suis plutôt têtu. Donc je vais chercher encore. On peut pas détruire ça. Non, on peut pas. Non, on peut pas. C'était pour savoir s'il n'y avait pas un trou derrière pour pouvoir passer. A priori non, hein. C'est pas là, hein. On dit dans l'oreillette que c'est pas là. Ça serait trop facile si la stèle était à l'endroit de base. Donc il va falloir chercher un petit peu plus loin. Putain merde, putain con, on reprend. Alors ici, est-ce que vous voyez un truc? Non, il y a juste des dessins avec un taureau bizarre. Là, on sait pas, c'est une porte mais on n'a pas le droit de rentrer. Là on arrive là. Là il y a un trou ici mais ça mène à rien. On passe par là. Donc là par ici le dalle. Là on a un coffre, un serpent dégueulasse. Là il y a les pics qui font super mal au cul. Attention, là on y est déjà allé. C'était pour le truc, mais à mon avis il y a peut-être un autre truc qu'on a peut-être pas fait. Là sur la hauteur, a priori non, que dalle, hein. C'est pas par là. Et ici, a priori, on n'a rien raté. C'était juste pour un autre trésor. Là, il y a un petit truc qu'on n'a pas pris, mais c'est tout. Le reste, il a l'air d'avoir que dalle. La stèle, il n'y a pas de tour de magie à faire là-dessus. On va monter sur la statue, non. Bon. Voilà, monter sur la statue, ça sert à rien. A priori. Mais on peut y monter, c'est rigolo. Salut! Rien, que dalle. Donc là jusque là on a priori fait cette zone. Après cette zone on l'a fait correctement. Et là on sait pas trop comment rentrer. Là est-ce qu'on peut monter là? On va pas exagérer non plus, il y a 3 cm. On peut pas remonter là. Ça passe pas là. Non ça passe pas. Bon, on repart. On repart donc vers l'autre trou qui est par là. Et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous.
Ici, c'est ébranlé, on peut rien faire. Ici, c'est une porte dégueulasse, on peut rien faire non plus. Ici, peut-être que c'est des trucs là. Oh, génie du game! Génie du game! Je l'avais pas vu la première fois. C'est normal hein, en même temps. Est-ce qu'on... Bonjour le serpent! Bonjour, deux serpents pour le prix d'un! Et boum! On fait comme Daryl, on bouge du serpent. Oh, le spoil. Et c'est la stèle secrète. Interagir. Oh, il y a des écritures cheloues. What the fuck? What the fuck? Trouver la stèle ancienne. Et boum, 1 milliard d'XP. Combien dit milliard d'XP? 751 points d'aptitude! Oh, c'était rentable! Oh putain, c'était rentable ça! Oh, c'était rentable! On se met bien. Pour utiliser cette aptitude, affectez-la. Prochaine amélioration: exploitation du feu des Phaistos, des armes de corps à corps et les flèches ordinaires infligent les dégâts incendiaires pendant 20 secondes. Ouais, j'ai pas trop envie d'améliorer. Pour utiliser cette aptitude, affectez-la. Un souffle soudain. Mais je crois que je peux pas mettre de deuxième point dedans, c'est ça? Non. Merde. C'est pas ça que je veux faire. C'est où mon heal? Mon heal, s'il vous plaît. Je veux récupérer mon heal, s'il vous plaît. Merci. Merci, parce que je suis pas très fort. Moi, le heal, j'en ai besoin. Il faut acquérir... aptitude attaque de surpuissance. Appuyez sur R1 puis R2 pour activer. Attaque très puissante, variant selon le type d'arme. Nécessite 3 segments d'adrénaline en entier. Voilà, j'ai récupéré. Et donc ça, normalement, c'est quelque chose qui ne s'affecte pas. C'est de base. D'accord. Attendez s'il vous plaît. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne son délire. Non, je voudrais une arme s'il vous plaît. R1, R2. Ça marche pas. Bah c'est ça. On connaissait déjà ça, on pouvait déjà le faire ça. Appuyez sur R1 puis R2 pour activer. Attaque très puissante, variant selon le type d'arme, nécessite 3 segments d'adrénaline. Ah oui, 3 segments d'adrénaline, Iker. Réfléchis un petit peu. Voilà, c'est trop compliqué pour moi. Désolé, il faut 3 segments d'adrénaline, j'avais rien compris. Bon. Oh putain, ouais que dalle. Vite. J'ai peur dans le noir, s'il vous plaît. Bon, quand j'étais petit, un petit peu quand même. Hein. Mais bon, tous les gosses sont perdus en moi. C'est l'inconnu, c'est le questionnement, l'interrogation. Et déjà à cette époque-là, j'étais très intelligent. Je me posais plein de questions. C'est quoi le noir? À quoi ça sert? Au secours. C'est bon. Heureusement, le piège, il est pas très rapide. Allez, c'est par où? C'est par là. Je sais pas trop par où on va, mais on y va. C'est par là. Au revoir monsieur. Merci. C'est bon, on a terminé. Au revoir. Yes, on a réussi à faire le tombeau de la première piquille. Et ça va, on n'a pas pris l'heure. On n'a pas pris une heure non plus. On a pris notre temps, mais on a réussi. C'est déjà bien. Et puis, faut voir le côté positif. Eh bah, nous avons moins de mercenaires au cul. On est passé à 2 bars. Donc tout va mieux. Ici, on a des quêtes. Niveau 14 recommandés. Or volé. Ah, il y a quelqu'un qui a volé de l'or. Ça, c'est pas gentil. Et il y a un mercenaire level 16 qui s'appelle Kusa, l'enfant du feu. Putain, il a un pseudo incroyable, quoi. Hop. Allez, continuons. Phobos. Viens là, mon cheval. Voilà. Eh oui. On est parti. On continue par là. On
continue les points d'interrogation. C'était définitivement pas des points d'interrogation qui ont été reset, mais ça me ressemble à des points d'interrogation qui ont peut-être été ajoutés dans la première mise à jour du jeu. Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ou alors le tourment de la pitié peut-être se développe quand tu as fini, quand t'as parlé pour la première fois à la pitié. Bon, ce serait bizarre, mais... Ah! Il y a des copains, là. Ils vont monter la garde dans les environs. Oui. Ah, il y a des copains, là. Ah, il y a des copains à se faire, ah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit peu de fun, que je m'étais pas trouvé des amis. Pour pouvoir m'amuser un petit peu, me dégourdir les jambes. Tout va bien. Bonjour. J'aimerais bien ne plus avoir ce truc là dans la main, mais plutôt mon épée. Ça me correspondra un petit peu plus. Hop. C'est bon, il m'a pas repéré, vous inquiétez pas. Il est con, il est beau, il est con, il est con. Bonjour monsieur. Au revoir. Voilà, c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais il faut bien s'amuser un petit peu. Il faut bien se salir à les mains pour s'amuser un petit peu. Bonjour monsieur. Ah madame, excusez-moi. Ah non monsieur, excusez-moi. L'autre il est encore en train de courir après les cadavres. Putain, il y a un cadavre là. Et Jean Mimi, il faut pas dormir durant le service. Hop. Oh, oh, oh. Oh, il y a le chef. Ah, putain, chef, je comprends pas. Il y a un mec par terre. Bonjour. Mais viens m'aider, connard, au lieu de te défendre sur des cadavres. Bonjour. Monsieur le dernier, s'il vous plaît. C'était mon attaque. Putain, l'attaque à 3 barres d'adrénaline. Waouh. Quelle compétence on a récupéré là. L'attaque à 3 barres d'adrénaline. Elle déchire sa race. Pillez le trésor. Il est où le trésor? Il est où le petit trésor? Bon, c'était juste un petit camp. Hein. On l'a fait vraiment rapido expresso. Salut Itoine, tranquille ou bilou. Et boum, on récupère le trésor. Piller les trésors, c'est récupéré. C'est bon. Et ça fait une nouvelle zone de fête. Ouais, je voudrais juste passer. J'ai pas le droit. Interdiction, c'est trop. Ok, alors. Puisque c'est comme ça. Voilà. Hop, ensuite la carte. Et on continue. Le prochain truc c'est là. Et ensuite celui là-bas. Et ensuite on est bien. Ah, c'était parce que j'étais à côté qu'il y avait un point, qu'il y avait une mission. Si tu es pas à côté, elle n'est pas montrée. Phobos ne peut pas rentrer dans les zones interdites. Ouais, bon, le campement Phobos, il y a plus grand monde dedans. Hein. Il va pas te poser problème. Merci Phobos. Bien. On y va. Oh, quelle sauce! Phobos, c'est un génie. Ah, salut! Deux ours qui se baladent. Tenez-vous les ours. Grande ours. Ah, tuez l'animal. Ah! Ça active maintenant R1 plus R2. Oh, c'est trop bien. En fait, c'est l'ancien truc dans Origin qu'on avait automatiquement. Quoi. Désolé, monsieur. Comment, monsieur? Ah, merde. Mais il en reste un, mais j'ai tapé Phobos, merde. C'est bon, Phobos, relève-toi. T'inquiète pas. Tout va bien. Je pourrais pas te barrer un peu. Merci. Wow. Oh, la super attaque, 4000 de dégâts. Bah, il est trop bien cette attaque. Bon, ça part en 3 barres d'adrénaline. Il
Il en reste encore. Mais c'est la famille ourson là. Oui, carrément. J'ai tué l'animal là ou toujours pas? Ah non, il en reste un. C'est lui qu'il faut tuer. J'en ai tué trois. Mais j'ai tué toute la famille ourson. Mais je voulais juste tuer le papa, moi. Ah bah merde. Il est là. Il est là, le con. Eh, salut. Mais vous êtes 50. Mais ça se balade en meute, les ours, maintenant. Une meute d'ours. Oh, nouveau concept. Un ours, c'est solitaire, non? Famille plutôt. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y a des spéciales courses sur la chaîne qui m'expliqueront que les ours se baladent en meute et c'est un peu comme les vélociraptors, ils attaquent en groupe. Parce que là il va prendre cher, regardez. Ah bah bien joué, gars. Ça c'était une belle utilisation de la part de Renani. Vraiment là, on a tout ce qu'il fait. Tuer l'animal alpha. Mais il y en a 50, mais calme-toi. Mais il est chié les ours, putain. C'est peut-être ça, hein. Oh, le petit, hein. Petit. Oui. Hop, esquive. T'as rien compris, hein. Ah non, mais j'ai encore raté. Non, c'est bon. R1, R2. Boum. Oh, ça fait mal. Boum. C'est pas vrai. La grotte d'ours. Bon, il y a un ours avec des S. Ça, on comprend. On a compris. Il y en aurait plusieurs. Il nous avait déjà préparé. Quête. Et la dernière, c'est bon. Dernier point d'interrogation. Après, il y a juste au-delà, il y en a deux autres, mais on va pas les faire. On va aller voir la... Ah, c'est par où? C'est par là, Ikea. Dans l'autre sens. Ça arrive d'être en groupe près des lieux où ils se nourrissent. D'accord. Ah, c'est malin, un ours, hein. Campement des brigands de la mire. Des brigands! À l'attaque! Merde, c'est pas ça que je veux faire. Esquive! Désolé, mon ami. Bonjour, les brigands de Lamia. Bonjour monsieur. Vous connaissez Twitch Prime? Non, je ne sais pas ce que c'est. Ah madame. Madame, excusez-moi. Au revoir madame. Ah, c'est fait, hein. Y a plus de brigands. Libérez les prisonniers. D'accord, mais c'est une bestiole. Ok. Trésor. Libérer le prisonnier. Ah non, c'est un homme. Je croyais que c'était... Oh, mais c'est un spartiate. Tu crois qu'on a vraiment envie de le libérer, lui? Allez, non. Salut. Voilà. C'est parti. Oh, on est méchant, hein. Oh, on est méchant. Bon, en même temps, on est un mercenaire, hein. On n'est pas censé être gentil. Bon, un mercenaire, c'est encore c'est pire qu'un méchant. C'est il fait ça pour la thune. Pire que tout. Allez, go. Boum. Tac. On y va. On se téléporte. On peut pas. On peut pas se téléporter là. Faut qu'on y aille à cheval. On est parti. Je te suivais de ouf sur Smite, qui joue encore. Oui, de temps en temps.
De temps en temps, de temps en temps. Opa. Et d'ailleurs, il faut que je finisse de commenter deux games. Et après que je monte tout ça, ça va prendre 5 heures. Ça va prendre au moins 3 heures de montage parce que c'est 3 vidéos, 2 vidéos e-sport en même temps. C'est par où? C'est par où s'il vous plaît? Est-ce que j'ai symbolisé? J'ai symbolisé ou pas? Si j'ai pas symbolisé, on est con. On est très con. Ouais, c'est à 700 à mettre, c'est cette quête là que je veux faire. Non, cette quête là. Donc c'est par là. 700 mètres. Par. Allô? Voilà. Let's go. Bonjour monsieur. Vous cherchez un prisonnier? Ah, je ne sais pas où il est. Ah, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai rien vu monsieur. Allez, c'est parti. Toujours appuyer sur triangle au cas où on tombe sur du bois d'olivier. C'est la petite technique. Regardez le génie du game. Regardez ce que j'ai récupéré. Hop, je récupère des matériaux. Voilà, toujours appuyer sur triangle pendant qu'on fait du cheval. On sait jamais. Ah, je suis tombé sur une bestiole là. Attention, je vais tomber sur une falaise et convaincant, je vais tomber. Mais bon, c'est Pégase donc il n'y a pas de souci. Vous êtes proche d'une cible, appuyez sur truc pour Icaros. L'oracle se cache à l'intérieur. Je vais enfin obtenir des réponses. Yes. Allez. Non, non, monsieur l'ours, vous pouvez pas tuer des innocents. Vos papiers, s'il vous plaît. Monsieur, faut arrêter l'alcool. Alcotest. J'ai dit non. Oh putain. J'ai dit non, monsieur l'ourson. Voilà. Tout va bien? Ouais. L'oracle est à l'intérieur, mais combien y a-t-il de gardes? C'est un paquet, hein. Putain, c'est Madonna, quoi. C'est Madonna, quoi. Madonna en moins 500 avant Jésus-Christ. Cet endroit dire que la pitié est bien protégée. Oui. Et moi, heureusement, je suis un génie du game. J'ai bientôt une troisième barre d'adresse. J'en aurais pas besoin. Par contre, j'ai pas le temps de se maquiller. T'as vu? Ah, j'ai pas pu! Ah, ça marche pas! Ah, ça marche pas à chaque fois! Ah, y'a un. Personne. Vraiment, je tire le bouclier comme ça. Si, voilà, il me reste plus qu'un mercenaire dégueulasse. Le mec il est en violet quoi. Mon chéri, il faut des barres d'arrêt. Putain, je me bats contre l'armée du monde. Attention, les soldats de la pitié sont pas dégueulasses. Putain, il va me découper. Bonjour monsieur. Je soigne. Il m'a empoisonné de ça. On voit que dalle. On voit que dalle, revenez. Hop, la flèche est esquivée, c'est bon. Non, barre-toi, Iker! Oh là là! J'ai une flèche! Tu n'en as plus! C'est bien battu! C'est pas assez bien! Ah!
Aïe aïe aïe, on aurait pas dû attaquer, on aurait pas dû attaquer comme ça, on s'est fait jambonner. On était pas loin, mais c'est juste cette flèche que j'aurais dû, de poison que j'aurais dû esquiver. Aïe aïe aïe. Oups, j'ai glissé, chef. J'ai glissé. Ah, le fameux 3v1, bon, on a déjà fait mieux, hein. Mais il faut être sur un toit. Sur un toit, on peut faire 1v10. Attendez, on y repart. Ça va mieux se passer cette fois-ci. Je me demande si on peut y arriver sans alerter les gens. Bah, je pense. Ouais, si on n'est pas un assassin, non, mais. Si on est un assassin, peut-être que oui. Allez, go! On en est où là? Il nous faut repop où? Bataille de quête. L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent. Mais je suis où? Mais je les ai déjà tous tués. Ah oui, d'accord. Ah, ils te font vraiment repop à 50 milliards de kilomètres. A chaque fois, c'est ça. Hop. Ah oui, ils font vraiment repop long quand même. Ah bah, on repart. On est parti. C'est reparti. Mon kiki. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Opa. C'est vrai que l'attaque est puissante, mais le problème, c'est qu'elle te fait utiliser beaucoup d'adrés. Donc derrière, t'as plus moins d'adrés. On est parti. Bonjour, messieurs. Ok, Féos. Ah, je suis allé dans la nouvelle zone. Merde. Résultat, je vais avoir une nouvelle zone à faire. J'essaie de trouver du bois d'olivier. Non, il y en a pas là. Là, il y en a un peu. Hop. On sait pas trop ce qu'on croise là, mais on a croisé des trucs. Ah, il doit aller. Ouais. D'accord. On se fait bien. Ouais, Phobos, il est solide. Il est solide, Phobos. Il y a un ours qui va encore attaquer. Bon, cette fois-ci, on s'en va les couilles. Hein. Hop. On peut pas non plus faire les choses deux fois. Et donc, à apprendre à se défendre. Hop. Alors, l'oracle se cache à l'intérieur. Ouais. Je vais enfin obtenir des réponses. Ouais, bon, d'abord, on va peut-être crever d'abord. Calme-toi. Bon, ils sont level 14, hein. Normalement, on est censé leur péter le cul. Là. Est-ce qu'on leur pète le cul Est-ce que je lui pète le cul à lui là? On peut dire que la pitié est bien protégée. Là, est-ce que je te pète le cul? Non, pas du tout. Merde, j'ai pas réussi à faire l'attaque. Ah bah si. J'ai on fait. Peut oublier la finesse. Ah ça va, il a pris cher. Oh ça va, il est mort. Tout rien. C'est lui, c'est un mercenaire. On va se calmer, on peut pas essayer de le tuer. Oh, qui est là? Le pape. Oh. Allez, quand t'as 3 barres d'adrénaline, t'es quand même quasiment capable de les one-shot. Hein. Donc c'est pas mal. Enfin si, t'es capable de les one-shot parce qu'ils finissent au sol. Donc il me reste lui. Ah, ça se passe bien mieux cette fois-ci. Au revoir. Oh, oh t'es dur. Et voilà. Oh, garde! Je ne suis pas venu te faire de mal. Mais je veux, mais des, je réponses. Veux des réponses. La pitié est l'instrument sacré des dieux. On vient de très loin me poser des questions. Personne n'a jamais osé envahir ma maison. La colère d'Apollon sera rapide et cruelle. Garde! Assez de mensonges. Dis-moi ce que je veux savoir. Je ne peux pas respirer. Si tu élèves la voix, ou si tu me mens, je te tranche la gorge. Il est pas content. Je suis déjà morte. Ils sauront que tu es venu ici. Et ils me tueront pour ça. Qui? Le culte de Cosmos? Parle! Oui, le culte veut ta mort. Il sait que tu es ici. C'est quoi ce culte de Cosmos?
Ils sont les yeux qui voient sans être vus. Arrête avec tes énigmes. Je veux des noms. Je n'en ai pas. Je te le jure. Bah oui, c'est rien. Ils se cachent derrière des masques et des voiles. Pourquoi travailles-tu pour lui? D'où tires-tu des visions? Bah, elle est forcée. D'où tires-tu des visions? Les tirs de que dalle. Tu dis m'avoir vu dans tes visions. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon. Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir. Tu m'as appelé l'enfant de la montagne. Le culte traque un enfant de Sparte qui a survécu à une terrible chute du mont Taygetos. L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait de toi. Tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Dis-moi où je Dis-moi peux trouver où le je culte. Peux trouver ce culte. Et je vais leur casser le cul. À Athènes, à Sparte. Ça. Dépêche-toi de parler, ou on ira le chercher ensemble. Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon. Je crois que c'est là qu'ils se réunissent. Mais sans masque et sans cap, n'espère pas y entrer. Où peut-on trouver un masque et une cape? Un homme vient me rendre visite de temps en temps. Il s'assure que je ne manque de rien. J'ai la plus grande maison de la Cora de Delphes. Mais il continue à me payer. Je le trouve effrayant. Quel est son nom? Elpenor. Elpenor? Il fait partie du culte? Je n'en suis pas sûr, mais si c'est le cas, il détient sûrement ce que tu cherches. J'ai déjà puni Elpenor. Je savais que le masque que j'ai ôté à son cadavre serait utile. Pars! Tu n'apportes que les ténèbres. Il faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit la Pythie sur le culte. Il aura peut-être une idée. Allons voir Hérodote, le plus vieil historien. Bonjour. Est-ce que je peux lui faire tomber son bouclier? Merde, je peux pas. C'est marrant, on peut pas. On prend un truc qui est censé enlever les boucliers, mais même sur un level 14, on n'y arrive pas. Peut-être qu'on y arrivera mieux maintenant. On peut toujours pas. On peut pas. Il est scié à leur roi. J'ai envie de me faire quand même le mercenaire. On va aller se faire le mercenaire. Il faut essayer de l'attaquer quand même. Je vais te saigner comme une chèvre. Tu vas me quoi? Tu as dit quoi là? C'est du 1 contre 1 cette fois-ci, donc ça va pas être la même chose. Regarde, R1, R2. Wouah, c'est stylé. Waouh, esquive. R2. Ouais, t'es trop lent. On va pas contrer ça. R2. On va peut-être s'en lasser au bout de la salle, un milliardième fois que je l'utilise, mais pour le moment je m'en lasse pas. Oh, l'esquive! Oh là là, il a rien compris, le mec! Voilà! Bonjour, monsieur! On sent le R1 R3 qui arrive. Le R1 et 2. Oh. Salut! Au revoir, madame! Alors, c'était qui devait crever, connard? Alors. On l'a tué. On se met bien. On a réussi à faire le taf. Il faut aller voir Hérodote. Hérodote qui est juste là. La vérité éclate toujours. Parlez à Hérodote. Hérodote, lui, il est juste derrière, il est juste à côté. Quoi. Il fait genre, ouais, moi, j'étais pas loin. J'étais en train d'écrire une petite histoire. Voilà. Mais on sait pas où il est exactement. Bien. Allons voir Hérodote. Peut-être que c'est un méchant, Hérodote. Hop, salut. C'est marrant, il y avait un vautour autour du cadavre. Dégueulasse. Un charognard. Bonjour, Hérodote. Alors, qu'a dit la Pythie? Le culte de Cosmos me cherche. Mais c'est moi qui l'ai trouvé. Elle m'a dit qu'il se réunissait dans une salle secrète.
sous le temple d'Apollon. Alors tout est vrai. Si le culte a réussi quelque chose, c'est à me berner. J'en ai tué un premier adepte. Elpenor, un serpent que j'ai rencontré à Kefalonia. Son masque et sa cape me permettront d'entrer dans la salle. Alors ils sont sous le temple d'Apollon? Oui, près de la grotte de Gaïa. Je crois que je connais l'endroit. Occupe-t'en, on se retrouvera là-bas. Iboum et boum, plus 3675 XP. Nous sommes toujours level 16 et nous sommes dans la fin de cet épisode d'Assassin's Creed Odyssey. J'espère que vous l'aurez apprécié. On a pas mal avancé. On est bien avancé dans la branche des guerriers. Là, la branche des guerriers, on a quasiment tout. Hein. Il nous reste ça, manipuler le feu indigne qu'un pyromancien accumule incendiaire accru de 25. Ouais, je suis pas hyper fan du guerrier qui brûle les mecs. Bon, ça fait un peu magique, c'est joli, mais... mais pas forcément hyper à fond. Ah, il y a des trucs là, j'avais même pas vu. Appuyer sur triangle pour assassiner à l'aide de la lance de Leonidas. Ah non, ça c'est des trucs qu'on a déjà, ou je sais pas. Appuyer sur carré pour esquiver, touche L1 pour parer. Oui, ça on connaît. Ok, ok. Eh ben j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, on se retrouve dans deux jours. Ciao! Boum!